Coucou, c'est Julie, je suis de retour avec une petite série de vidéos consacrées à la consommation inconsciente. Alors ce terme, je l'ai cherché sur internet, mais je l'ai pas trouvé, donc on va dire que c'est moi qui l'ai inventé. Alors, la consommation inconsciente, c'est quoi? En fait, c'est cette habitude que nous avons à acheter des choses sans savoir ce que c'est, comment ça a été fait et ce que ça implique vraiment. En fait, c'est que dans nos actions, quand on va acheter quelque chose, on a l'impression que juste on rentre dans un magasin, ou on va sur internet et on achète quelque chose, et c'est tout. Tu vois, on pense que c'est tout et que ça s'arrête là. Et dans notre perception, en fait, toutes les actions et tous les événements qui se déroulent lors de la production, finalement, ils nous paraissent flous et lointains. Et parce qu'ils sont flous et lointains, on a un peu l'impression qu'ils n'existent pas vraiment, finalement. Et donc, ça nous met un peu comme dans un rêve où toutes ces étapes de production, toutes ces réalités, finalement, n'existent pas vraiment. Et même si, quelque part, au fond, on le sait, on sait ce qui se passe un peu, c'est plus facile de se fondre dans le mouvement de masse qui est de ne pas questionner. Et les marques s'en réjouissent et en jouent bien évidemment. Et ça, c'est pour absolument tout ce qu'on consomme. Que ce soit les habits, que ce soit la nourriture, que ce soit les produits de soins pour la peau, pour notre corps et tout, que ce soit même du coup les smartphones, enfin absolument tout ce qu'on utilise. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. C'est flou et on sait pas en fait ce qu'on finance directement avec notre argent finalement. Déjà, on oublie trop facilement que en fait notre argent c'est du pouvoir et que quand on achète quelque chose, on dit oui consciemment ou inconsciemment à quelque chose et on l'encourage en le finançant. Et le problème, c'est que toutes les horreurs là qui se passent là dans les productions etc et qu'on finance du coup, si on y était exposé, on serait pas du tout d'accord. Et en plus de ça, si on se rend compte que ce qui est fait dans les productions, on ne pourrait pas le faire de nos propres mains, on ne pourrait pas prendre ses décisions, on ne pourrait pas faire ses actions, c'est qu'elles ne sont pas en accord avec nos valeurs et avec qui nous sommes. Et pourtant, à cause de cette inconscience, on les finance et on y dit oui tous les jours et on les entretient tous les jours. Et donc là, ce qui pourrait t'empêcher, voilà, de changer tes habitudes, ce qui pourrait te freiner, c'est de se dire « Ah bah oui, mais c'est compliqué, c'est dur, comment je fais ça ?» De toute façon, toutes les marques sont mauvaises, on peut pas produire sans faire du mal à quelqu'un. C'est faux. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, le truc, c'est que il y a beaucoup de gens, hein, ce que je te dis là, je suis pas le seul Gugus de la planète à le penser. Hein, ça se développe énormément et en fait, il y a des marques qui ont senti le poteau rose arriver et qui voient que le nombre de personnes qui souhaitent consommer de manière plus consciente, qui souhaitent faire les choses de manière beaucoup plus éthique, elles existent. Et donc, on crée maintenant des produits et des marques qui sont beaucoup plus en accord avec les valeurs finalement de l'être humain, en fait, basique, tu vois. Des entreprises, du coup, qui ont choisi de faire les choses beaucoup plus de manière transparente. Et c'est d'ailleurs leur argument de vente, tu vois. Je te passe, du coup, le greenwashing de H&M et toutes ces conneries-là qui te disent « Oui, bonjour, c'est du coton recyclé bio, machin », alors que t'as aucun label et aucune preuve, genre en mode... Et en fait, oui, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de choisir de faire les choses mieux et de manière plus éthique. Donc en fait, après, le truc, c'est que ce sujet, il est très, très, très vaste. Donc aujourd'hui, je vais juste m'attarder sur l'industrie textile, donc les habits. Et la prochaine vidéo sera donc sur tout ce qui est les produits de soins, tout ce qu'on met sur notre peau. Parce que crois-moi, il y a matière à faire une vidéo tout entière. Alors lors de cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur les problèmes et sur les horreurs qui s'y passent, mais je préfère m'attarder sur les solutions et te donner les solutions. Allez, bon visionnage. Ça faisait un mois et demi à peu près que je faisais mes recherches hein, sur l'industrie du textile pour trouver des marques qui à la fois ne tuent pas des animaux, payent bien leurs employés et limitent leur impact sur le climat. Donc c'est-à-dire qu'on prend tout le monde là, on prend tous les animaux, on prend tous les humains, on prend la planète, et on fait un truc bien. Les solutions que je te propose, il y en a deux principales. La première, les sites de seconde main. Donc c'est-à-dire Vinted et Tutti Quanti. Donc là, moi je vais plus te parler de Vinted parce que c'est celui que je connais et que j'utilise très souvent. Mais il y en a d'autres. Mais je sais que Vinted c'est celui qui marche le mieux, donc voilà. Si jamais tu ne connais pas Vinted, c'est quoi? C'est quoi le principe? Qu'est-ce que c'est? Vinted, en gros, c'est un site et une application qui
te permet de vendre tes habits à d'autres gens et d'acheter les habits de d'autres gens. Ok? Et en fait, il se trouve que dessus, tu trouves des habits de gens qui, je sais pas, qui veulent se débarrasser de leurs habits, mais même des fois quand ils n'ont jamais été portés et qui sont neufs et qui sont super récents. Tu vois, donc ce qui fait que tu trouves de tout, même les derniers habits qui viennent de sortir, tu vois, de chez Mango, H&M, typique. Et en plus de ça, les prix sont incroyablement plus bas en fait. Souvent, enfin là j'ai fait une moyenne, les prix sont généralement 3 fois moins chers que ce que tu l'achètes en magasin. Et en plus, tu ne finances pas des merdes. Donc voilà, si jamais tu te rends compte que tu as besoin d'habits, à un moment, bah, plutôt que de garder le réflexe à l'habitude de base qui est « Oh vas-y, je vais à H&M » ou « Oh vas-y, je vais à Primark »,« Oh vas-y, je vais à Zara »,« Oh vas-y, je vais à Mango », regarde d'abord sur l'appli, tu vois. Et tu vas les avoir moins chers, de la même qualité, et en plus de ça, tu vas donner un peu moins d'argent à ces gens-là et un peu moins de pouvoir à ces gens-là. Deuxième solution, les marques éthiques. Alors c'est ça qui m'a pris le plus de temps de recherche, hein, outre du coup les petites recherches bien bad vibe des familles, de savoir ce que fait l'industrie textile. J'ai du coup trouvé, sélectionné 5 marques donc que je trouve belles personnellement. Il y a pour hommes et pour femmes. Et donc voilà, donc c'est ça qui m'a pris le plus de temps à trouver parce que évidemment j'essaie de faire le plus de recherches possible, d'être le plus précise possible. La première marque, Wawa. Ouais, je sais, c'est un petit peu drôle comme nom. Alors, c'est une marque pour hommes et femmes d'un style un peu plus street. Alors, leur but, c'est de faire durer leurs habits beaucoup plus longtemps. Hein. Tous les matériaux sont bio. Ils ne sont produits que dans des usines qui utilisent de l'énergie renouvelable. Leur perte qu'ils ont lors de la fabrication de leurs habits est récupérée pour créer d'autres habits. Donc, je sais qu'ils ont pu faire sortir toute une collection de t-shirts qui n'étaient faites que de pertes de leur propre production en fait. Ils recyclent aussi des bouteilles en plastique pour en faire des habits, qui n'utilisent aucune peau d'animaux, aucune fourrure d'animaux, et leur emballage est compostable. Et en plus de ça, ils utilisent une partie de leurs revenus pour planter des arbres. Ensuite, deuxième marque, Know the Origin. Ouais, j'aime bien celui-là, il est beau le nom. Alors en fait, c'est pas une marque en soi, c'est un site. Et c'est un regroupement de plusieurs marques. Et en fait, ce qui est super avec ce site, c'est que tu peux faire des recherches en fonction des critères que tu veux. Les salaires, les conditions de travail, aucune utilisation de peau animale, l'impact sur l'environnement. Enfin, je veux dire, voilà, tu peux faire ton shopping en fonction de tes valeurs finalement. Comme ça, tu sais où est-ce que ton argent va et tu sais ce que tu finances. Voilà, le style de manière générale est plus ou moins classe, classique, tout ça. Et tu trouves de tout, hein. Tu trouves des sous-vêtements, des t-shirts, des chaussures. Troisième marque, Ashoka. Oh, c'est beau ça comme nom aussi. C'est une marque parisienne de maroquinerie. Je sais pas si du coup on emploie ce terme, vu que comme tu peux le deviner, ils n'utilisent pas du tout de peau animale. Elle fait partie des marques de luxe d'une très haute qualité quoi. Elle a déjà gagné 2 PETA Oscars. Alors en gros, ce sont des Oscars qui félicitent les marques ou les personnalités qui ont fait des actions significatives vers un monde plus éthique, vers une mode plus éthique, en fait. Et elle en a gagné 2. Parce qu'elle a vraiment des articles et des sacs d'une qualité incroyable. Enfin, quand tu regardes la matière, genre, c'est incroyable. On dirait la peau animale, mais en fait, genre, ça en est pas du tout. Et ça tient super bien, c'est d'une très très bonne qualité, et c'est magnifique. Et voilà, donc c'est le style parisienne, etc, chic, tout ça. Et les prix sont à peu près les mêmes que ceux que tu trouves dans les marques du même niveau, mais qui utilisent des peaux animales, voilà, et qui ne font pas attention à l'environnement. Donc écoute, voilà, si jamais t'as envie de t'acheter un vrai beau sac, et bah va plutôt, avant d'avoir le réflexe d'aller directement vers les marques de base, regarde sur leur site, voir s'il n'y a pas un truc qui te plaît, parce que c'est très possible qu'il y ait un truc qui te plaise. Marque Will's Vegan Store. Alors ce magasin, il vend de tout. T'as des habits, t'as des chaussures, t'as de la nourriture, t'as vraiment de tout, c'est incroyable. La production a lieu au Portugal et en Italie, et donc il y a une attention très particulière sur payer décemment les ouvriers et les faire travailler dans des conditions respectables. Ils n'utilisent aucunement la peau animale, de rien du tout. Aussi, ils limitent leur impact sur l'environnement. Voilà, comme ça, comme je t'ai dit, tout le monde est impliqué. Les humains, les animaux et l'environnement. On est contents. Et eux aussi, ils ont gagné un PETA Award. Comme ceux juste avant là que j'ai dit. Dernière marque, Cake. Alors cette marque, elle est pour les femmes et en gros, donc elle est éthique et elle fait attention, donc pareil, à l'environnement. Elle est surtout spécialisée dans tout ce qui est pull et manteau de fourrure.
Et donc 45% de ces tissus sont issus. 45% de ces tissus sont issus. 45% de ces tissus sont tissus de plastique recyclé. Et évidemment, ils n'utilisent aucunement la peau animale. Voilà. Alors c'est le style, c'est tu vois, c'est un peu classique, chic, un peu en mode style Zara finalement, et les prix sont juste un peu plus hauts que justement que Zara. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que en gros, je t'encourage à changer ton réflexe. C'est-à-dire que dès que t'as envie de t'acheter un truc, plutôt que d'aller directement par habitude genre vers ces grosses enseignes, tu vois, genre que tu te dises attends, je vais regarder sur Vinted. Ou si jamais t'as envie d'investir un certain prix dans un, je sais pas, dans un sac à main, dans une robe ou dans un pantalon, enfin voilà. Genre que du coup, que plutôt que d'aller directement vers ces industries, même les grosses marques en fait, genre tu vois par exemple Maje, qui était une grosse marque que moi j'aimais bien, et ben en fait quand tu regardes l'étiquette, il y a écrit que c'est fait au Bangladesh, tu vois. Donc en fait même les grosses marques, elles se foutent un peu de notre gueule. que tu regardes peut-être plus vers des marques comme ça d'abord, parce que c'est elles qu'il faut financer, c'est à elles qu'il faut donner de l'argent, tu vois. Pas aux autres là qui sont en train de nous flinquer notre planète, qui font du mal aux gens et qui font du mal aux animaux juste pour un plaisir fugace, futile et personnel. Oh enfin voilà, après, comme je t'ai dit au début, c'est que c'est une histoire d'habitude en fait. Donc c'est-à-dire que si tout le monde le fait, on peut être plus poussé à genre à agir de la même façon. Sauf que tu vois, genre, là je fais appel à ton jugement intérieur, genre à quelque chose qui est plus grand que ça en toi, tu vois, quelque chose qui est mieux que ça en toi. Parce que genre tu n'es pas un robot stupide qui agit comme ça bêtement, genre non. Genre tu vois, ton jugement, déjà rien que questionner tes réflexes, c'est déjà un pas énorme, tu vois, parce que tu plantes en toi la dynamique qui est de refuser de simplement agir automatiquement comme ça. Étant donné que c'est quelque chose qui est en développement, voilà, genre si à un moment tu te retrouves, enfin que t'es obligé, enfin voilà, d'aller à H&M, d'aller à Zara, d'aller je sais pas où, enfin je veux dire, c'est pas dramatico, c'est juste, ce que je veux dire, c'est voilà, n'essaye pas d'être parfait ou parfaite, mais essaye de faire de meilleurs choix. Parce que ton argent, c'est du pouvoir. Ton pouvoir de décision a un impact incroyable que tu n'imagines même pas, en fait. Donc voilà. Bon, allez. Bisous.